Croyez-vous donc qu'il fasse juste au bout de très bon. Frères et sœurs, chers amis, frères et sœurs de Bethel, de New Eden, bonsoir. Que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de nous dans l'ouverture de sa base. C'est pour nous un privilège, un plaisir, chaque fois nous avons l'opportunité, l'occasion de nous réunir ensemble sur cette ligne. Pour prier le Seigneur. Assoya, on fait quelque chose de différent. Comme nous connaissons le sabbat, avant le sabbat, bon Dieu a créé la famille. Et on n'est pas capable d'entrer dans le sabbat sans la famille. La famille était avant. Assoya, on fait un sursaut. Au lieu que moi, je fais lecture là, sur le sabbat, on va faire lecture là, sur la famille. Juste avant que nous commencions. Un cercle sacré. Sainteté du cercle familial. Il y a autour de chaque famille un cercle sacré qui doit être sauvegardé. Nul étranger n'a le droit d'y pénétrer. Le mari et la femme devraient s'appartenir réciproquement. La femme ne devrait avoir aucun secret qu'elle cache à son mari, mais révèle à autrui. De même, le mari ne devrait cacher aucun secret à sa femme tout en le révélant à autrui. Le cœur de la femme devait être une tombe où elle enfoure les fautes de son mari. Et de même, le cœur du mari, un tombeau où il ensevelit celle de sa femme. Aucun des conjoints ne devrait se permettre de s'amuser au dépens de ses sentiments de l'autre. Jamais le mari et la femme ne devraient, de quelque façon que ce soit, se plaindre l'un de l'autre devant autrui. Car il arrive souvent qu'en se permettant une plaisanterie légère, parfaitement innocente, en apparence, on s'engage dans des querelles entre époux, et parfois même avec autrui. Il m'a été montré qu'un bouclier sacré doit protéger chaque famille. Le cercle familial devait être considéré comme un lien sacré, une illustration du ciel, un miroir dans lequel nous nous réfléchissons nous-mêmes. Nous pouvons avoir des amis, des connaissances, mais ils ne doivent pas s'intégrer, s'ingérer dans l'affaire du foyer. Il doit y exister un sens très prononcé de la propriété, destiné à favoriser l'impression d'aise, de quiétude et de confiance. Les membres du cercle familial doivent prier afin que Dieu sanctifie leur langue, leurs oreilles, leurs yeux et leur organisme tout entier. Lorsque nous entrons en contact avec le mal, nous ne sommes pas oubliés d'être terrassés par lui. Le Christ a fait en sorte que notre caractère puisse répandre l'odeur du bien. Combien de personnes dans le cercle familial déshonorent le Christ et dénaturent son caractère? Combien d'entre elles négligent de manifester la patience, l'indulgence, le pardon et le véritable amour? Nombreux sont ceux qui ont leur préférence et leur aversion, et qui se permettent de manifester leur mauvaise disposition, plutôt de refléter la volonté, les œuvres, le caractère du Christ, la vie de Jésus est pleine de bonté et d'amour. Faisons-nous des progrès parvenus à sa nature divine. Une unité amour et paix, que les parents fassent la promesse solennelle à Dieu, qu'ils déclarent aimer et suivre, de ne pas céder par sa grâce entre eux la mésentente, mais de manifester dans leur vie et leur caractère l'esprit qu'ils souhaitent voir cultiver par leurs enfants.
Il devait s'efforcer d'empêcher que la discorde ne s'introduise dans le foyer, car c'est l'un des moyens dont Satan se sert pour marquer le caractère de son empreinte. S'ils recherchent ardemment l'unité dans leur foyer, en appliquant les principes qui dirigeaient la vie du Christ, tout désaccord en sera éliminé. L'harmonie et l'amour s'y s'installeront. Parents et enfants participeront ainsi au don du Saint-Esprit. Que le mari et la femme se rappellent qu'ils ont suffisamment de soucis pour ne pas permettre à des conflits de s'introduire dans leur vie pour les ruiner. Ceux qui ouvrent leurs portes aux dissensions, si minimes soient-elles, invitent Satan dans leur foyer. Les moindres bagatelles fournissent aux enfants l'occasion de constater l'existence des enfants à se montrer déloyaux envers Dieu. Quelles que soient les épreuves qui peuvent survenir dans la vie conjugale, le mari et la femme doivent rester enracinés dans l'amour de Dieu. Le père soit considéré la mère de ses enfants comme celle à qui l'on doit bonté, tendresse et affection. Frères et sœurs, le secret de l'unité familiale, c'est le fait de vivre loin du Christ qu'engendre la division et la discorde dans les familles, dans les églises. S'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret de la véritable unité dans l'église, dans le foyer, ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés, bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer, mais dans l'union avec le Christ. Dessinez un cercle d'où vous ferez partie plusieurs lignes depuis la circonférence jusqu'au centre. Lui, celle-ci, s'approche du centre, lui, elle se rapproche les uns des autres. Il en est ainsi dans la vie chrétienne. Plus nous nous approchons du Christ, plus nous nous rapprochons les uns des autres. Dieu se trône glorifié lorsque son peuple est uni dans une action menée d'un commun accord. Frères et sœurs, chers amis, nous voulons dire bonsoir. Nous voulons dire que la grâce de Dieu est avec nous. Nous allons commencer avec notre ouverture de sabbat comme d'habitude. Et à Soya, nous gagner quelques personnages qui ensemble avec nous qui ouvrent sabbat et nous voulons en nous dire deux mots prière pour nous capables de commencer. Que le Seigneur est capable de bénir nous, que cet esprit capable au milieu de nous-mêmes alors que nous voulons ouvrir le Saint Sabbat de Dieu en Jésus nous prions. Nous commençons avec un chant de louange 287 chanté par notre sœur Roselyne Philogène. Ma proposition, frères et sœurs, tout autour de la table avec les enfants, des adultes, mari, madame, j'ai aussi dit dans Bagala, un sexe sacré, parents, tout autour de la table, et sœur Roselyne Philogène a chanté 287. Exaltons notre divin maître dans l'amour ne soit changé. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, 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 louons le Rédempteur. Notre Seigneur, victorieux, victorieux, il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux dans le péché, dans l'ignorance, nous vivons sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vient s'asseoir, louant, louant, louant.
dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité, lui-même devient notre frère, le sauveur de l'humanité, louant, 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 le Rédempteur, le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux, victorieux, il nous donna le vrai bonheur, le vrai bonheur, et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, si vont sans crainte le sentier de l'ami divin, écoutons toujours sa voix sainte, nous sommes dans le sûr chemin, louons, 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 le Rédempteur, le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux, il nous donna, il nous donna le vrai bonheur, le vrai bonheur, et nous bénit Dieu des cieux. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, famille Philogène. Maintenant, d'apprendrez qu'il y a famille Haussmann d'Elia. Demandez Elder Haussmann s'il a chanté pour nous 400, alors que nous-mêmes, dans le canon, nous avons chanté au numéro 400. Et Frère Haussmann et sa famille, sa femme et ses enfants, ils ont chanté pour nous le numéro 400. D'apprendrez qu'il y a plusieurs frères nous avec nous pour nous ouvrir le sabbat ensemble dans le nom de Jésus. Elder Haussmann. Elle est Haussmann. Sous soumiot, retire soumiot, on va les arriver encore. Fais étoile 6. Fais étoile 6. OK. OK, on a demandé. Si elle est Haussmann par là, Maëlle. Yes. Yeah. Numéro 400. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à sa terre. Ce serait le bonheur pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au sacré-cœur, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au sacré-cœur, bientôt j'adorerai comme eux. Je sais qu'elle sera le palais éternel, mais je sais que mon âme
et sera reconnu. Le regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Le regard de Jésus sera ma bienvenue. Amen. C'est l'heure pour nous capables de commencer. M'a invité nous solennellement. Alors que nous allons entrer dans le saint jour du Seigneur, pour nous capables de mettre nous debout, nous allons commencer avec le chant 171. Frères et sœurs, nous chantons avec Maël au numéro 171. Nous connaissons famille, quand c'est sabbat, ou pas qu'à lier sabbat avec mariage, je lis ensemble. Quel bonheur qu'en faisant clair. Et lorsque nous arrivons dans le quatrième couplet, m'a demandé à tout papa, yo, côté nous y avec Simon, yo, pour nous gon bib au côté nous. Lorsque on dit le soir, quand la lampe brille, on lit ou l'on cause un peu. Puis le père de famille, ouvrez le livre de Dieu. Pas demander pour nous ouvrir le livre là. Jusqu'à ce que le cinquième couplet a venu chanter. Pour tout papa, on prend la Bible là. Nous ouvrons la Bible et nous cachons la Bible en haut. Lorsque vous venez dans le quatrième couplet, hein, le soir, quand la lampe brille, on lit ou l'on cause un peu. Puis le père de famille ouvre le livre de Dieu. Et sous la garde invisible de son ange protecteur, le foyer s'endort paisible. Quel bonheur. Maïel a commencé pour nous. Elle est dans le quatrième couplet, tout papa a fait la même chose. Quel bonheur quand fils en frère, l'aube du Saint-Jean se lève dans le ciel et dans mon cœur. De le matin et plus légère, l'âme s'élève au Seigneur. Sur le lieu de la prière, quel bonheur, quel bonheur. Dans les champs et dans les bois, l'oiseau lave le brin d'herbe, chante aussi bien son auteur. Que la montagne superbe, quel bonheur, quel bonheur. L'hiver voici la demeure du pauvre et de l'orphelin, où l'on a froid, où l'on pleure, au prenant le chemin, à soulager la souffrance, à faire en leur triste cœur, et un rayon d'espérance, quel bonheur, quel bonheur. Le soir quand la lampe brille, on les roule en cause de feu. Puis le père de famille ouvre le livre de Dieu et sous la garde invisible de son ange protecteur, le foyer s'endort paisible. Quel bonheur, quel bonheur. Oui, quel bonheur dans la vie, dans ce travail, c'est confort. Tu sais, tu vas te bénir, reflet des cieux et si pas, en attendant au ciel même, dans la gloire du Seigneur. Le jour du repos suprême, le bonheur.
Debout étant, frères et sœurs, nous récitons ensemble le psaume 92 avec notre ancien Maxen Balisage. N'a pas été debout et frère, je texte à pied pour psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu ne réjouis pas tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de et de verdoyant pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Merci. Frères et textes, nous disons pour nous, capables chita, frères et sœurs, nous capables font chita. Alors que nous connaissons, nous allons aller chanter 175 avec notre ancien Whistler Désir. Notre maïsso pour nous capables de faire le 10 commandements avec notre ancien Wilmino Noël. Mais pour le moment, on a ouvert le chant, on a chanté assis au numéro 175 avec notre maestro, Frère Désir. L'astre à l'horizon descend, sur les monts l'ombre s'étend. Veillant pendant que la nuit au ciel allume son bruit, ses lampes d'or. Gloire, gloire à l'Éternel, ô Dieu de paix. Sur la terre et dans le ciel, toute loue Emmanuel pour tes bienfaits. Tandis que c'était le jour, la prière au Dieu d'amour, vers ton saint trône voilé, au fond du ciel étoilé, prend son étoile. Gloire, gloire à l'Éternel, ô Dieu de paix. Sur la terre et dans le ciel, toute loue Emmanuel pour tes bienfaits. Dans ton église en tout lieu, Seigneur, sous les vastes cieux, rassemble tous tes enfants, rends-les courageux, vaillants, sous ton drapeau. Gloire, gloire à l'Éternel,
Ô Dieu de paix, sur la terre et dans le ciel, toute loue, Emmanuel, pour tes bienfaits. Quand tu reviendras, Jésus, quand le mal ne sera plus, tu feras luire à nos yeux l'aube du jour radieux qui luit là-haut. Gloire, gloire à l'Éternel, ô Dieu de paix, sur la terre et dans le ciel, toute loue, Emmanuel, pour tes bienfaits. Amen, amen. Amen. Invitez-nous pour nous capables de lever. On va lire les 10 commandements. Nous connaissons déjà. Nous faisons moins bêtiser. Même si nous avons quelques petits sautés qu'on a fait, pas étonné nous. Continuez à réciter. Et puis, vous êtes capable de connaître, même si vous connaissez avec le quatrième commandement. 10 commandements avec Frère Wilmeno Noël. C'est notre ancien. Alors, Dieu prononce à toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu n'en prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 6e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est des portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne doubleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. 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 Témoignage. Nous avons aimé Asrea, nous avons l'autre réunion. Nous avons aimé quelques monde dans quelques témoignages récents qui savent bon Dieu fait pour nous. Comment bon Dieu protéger nous, regarder nous. Asrea tout, nous gagnons Elder Wilmeno qui gagne un frère qui est malade en Haïti et qui grave. Il a besoin de prière pour lui. Docteur Power, rien depuis en mars, il est malade. Pas une possibilité, absolument rien ou pas rien. C'est quelqu'un qui a abandonné toutes les mauvaises choses pour lui venir joindre bon Dieu. Et pas longtemps de cela, il dit frère, il relève frère Libor ici, il dit préparez vie. Tandis que monsieur pas chrétien, il relève ancien, il dit préparez vie. Et puis il dit même il prend décision pour servir bon Dieu. Et on m'a dit tomber sous lui, pas qu'avoir absolument rien. On va prier
et pour frère Edmond Noël. À soi, nous allons intercéder pour Vikito. C'est dans le sabbat que bon Dieu fait un paquet de guérison. Quatre plus gros miracles Jésus, on le fait dans le sabbat. Nous allons intercéder pour tout le monde qui est malade. Alors que nous allons ouvrir le sabbat. Nous allons déposer dans le sabbat pour le banon cadeau. Quel que soit le monde qui a un témoignage vivant que vous faites pendant ce maintenant, il a même partagé pour foi, nous allons augmenter la bonne ligne pour qu'on partager. Fais toi 6. Bonsoir, non pas moi, c'est Adat Blanc, moi j'ai un témoignage. Oui, ouais. Témoignage pas moi, moi dis bon Dieu merci beaucoup parce que lui fait jusqu'à présent, moi en santé, famille en santé, moi dis bon Dieu merci pour ça parce que normalement je travaille dans healthcare, moi je travaille dans flor COVID-19, ça veut dire c'est patient qui a un coronavirus que ma take care. Normalement, bon Dieu fait pour moi. Jusqu'à présent, moi gagne 2 mois de ma travail avec patient ça yo. Bon Dieu fait pour moi un bajan pour maladie, pour me t'apporter la caille moi, pour me t'apporter mon la caille moi li. Bon Dieu protéger, me protéger famille moi. Moi dis bon Dieu merci pour ça. Moi bay bon Dieu gloire et honneur que lui seul mérité. Bon ça va. Amen. 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 C'est à garder un petit monde petit. Amen. Amen. C'est qu'on l'autre monde qui gagne un autre témoignage. Amen. Bonsoir, non pas fermé en tolérie. Moi, je voulais dire bon Dieu merci parce que ça fait 2 mois de cela. Moi, j'étais pour un coronavirus là, moi, j'étais positif. Travail, moi, j'étais voyé la caille, moi, parce que je n'ai pas de pour comme si pour ça aggraver. Moi, j'étais la caille, moi, j'étais pour un remède. Et moi, je dis bon Dieu merci pour ça, qu'on y a mon négatif. Moi, je voulais dire merci à tout le monde qui t'a prié pour moi. Et surtout dans l'église Bethel, nous te soulignons, nous t'avons prié pour moi et moun mwen connaît, moun mwen pa connaît, et spécialement pasteur Wilfried, ou pas j'aime la game avec toute famille. Moi dis que bon Dieu béni vous et béni tout le monde qui souligne, bon sabbat, que bon Dieu béni nous. Amen, 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 amen. C'est bon, on doit parler, Lina Ouverbou. Amen, c'est quoi, oui, c'est là, on est. Oui, et moi, je vous dis merci à travers ce mois, toute famille, moi. Jeudi, à qui c'est 5 juin 2021, il y a eu Chama qui gradue au collège Lille pour deuxième master, pour deuxième partie. Qui se fait master, qu'on y a, moi, je dis bon Dieu merci pour ça. Si on vous grâce, peut-être ça. Si c'est pas de grâce, bon Dieu, il n'est pas de gradué. Mais je dis bon Dieu merci. Il va mettre des gradués, venez jeudi, à tout droit pour bon Dieu. Merci. Amen. Oh, congratulations, my daughter. Congratulations. Féroné, congratulations, my brother. Bon Dieu béni famille, bon Dieu madame moi avec Simon. Que bon Dieu béni nous, OK? Et c'est l'autre monde qui a un témoignage? Quelques secondes. OK. Eh bien, on a passé dans le reste du programme, non? Donc, on est avant de prier, nous tous chanter un chant de famille. Puisque nous autour de table là, on prend dans le salon, on s'en a mangé avec Simon. Donc, c'est quelque chose pour nous quitter comme héritage pour Timon. Pour Timon, lorsque vous arrivez la caille au fond de foyer, par yotou, pour être capable, ensemble avec madame, le petit, pour passer de héritage en héritage. Plus ça bat la famille, vous mariez ensemble. Alors que notre maestro, Frère Jean-René, pour chanter 432 pour nous capable prier avec Frère Rubens Dextra. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève nos chants quand règne
Le chemin fleurisse rose et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Oh, forêt, chaque jour, le temps passe quand règne l'amour. Le ciel s'ouvre bienveillant quand règne l'amour. Chaque se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau quand règne l'amour. Oh, soyez chaque jour le quand règne l'amour. Jésus tout entier prends-moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi, je serai béni, Jésus, roi d'amour. Oh, foyer, chaque Père Obedens, mais il y a quelqu'un qui dit moi, la ligne n'a pas marché, opérateur a tiqué. Père Obedens, est-ce que vous entendez moi? Père Obedens? Père Obedens, est-ce que vous entendez moi? Entendez, oui. Ok, vous mettez prier. Ok, c'est pas la ok. Ok. Bon Dieu, papa, nous qui dans le ciel, non? Nous disons merci pour bonté, amour, grâce ou misère quoi nous manifester envers nous. Ou te protéger nous, ou garder nous, ou faire nous traverser 6 jours sous ta protection divine. Pendant ces 6 jours, nous tenons toute activité nous. Nous te ça et là, famille nous, parents nous, petites nous, madame nous, mari nous. Nous capables de crier Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, où secourir nous. Seigneur, ou même celle qui méritait gloire, l'honneur, louange, pour bien faire ou pour grâce ou manifester envers nous. Nous tenons toute activité, nous. Gagnez qui t'a pris soin malade, mais ou t'es protégé, ou t'es gardé, ou fait ou traverser ce maintenant bien. Nous disons merci. Pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on continue à faire pour nous, bien ça qui t'a conduit ou épargné accident pour yo, ou t'es en décrit nous pendant ces 6 jours. Maintenant, nous arrivons dans Saint-Sabbat ou là, jour de repos, jour où mettez à pas. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables d'entrer dans ces jours-là avec la joie au cœur. Pour nous capables d'oublier toute fatigue, toute douleur, nous te prenons pendant ces 6 jours.
Mais ça va ou la capote yon baume de consolation, de soulagement dans le cœur chacun de nous. Ou va avec nous, ba nous force, ba nous courage. Quand ça tout pendant semaine, gen un pilote qui triste, qui t'a crié, ou t'es consolé, ou t'es signé donnant Dieu, ou t'es protégé, ou gen un pile qui gen mauvais souvenir de semaine, mais ou pral rentrer dans saint sabbat ou là, ou capable aider, oublier tout mal, toute souffrance yo t'es enduré, yo capable rentrer soulagé dans saint sabbat ou là. Pendant n'a dit ou merci, n'a prié ou pour ça qui malade, bien pile long pendant semaine dans notre cité intercédé pour yo, c'est Vicky, nous gagnons René Joseph, l'éclair Siméis, Wisgelaend, gain frère Anno Noël, ou connaît tout Seigneur nous levé au devant ou dans moment ça, que volonté ou capable fait, que non ou va louer, que ou va agir selon volonté ou, que non ou va témoigner, que moun sa yo ki malade, ou konnen pou ki sa. Si ou pa guéri yo nan moment sa même, ou konnen pou ki sa. Si ou pa guéri yo nan jou kap vini, ou konnen pou ki sa. Mais que volonté ou kapab fèt, lè ou désiré a, afin que non ou kapab glorifier. Nèg ki te bò piscine Bethesda, ki te passé plusieurs années, ou te di maladie lan, c'est pour gloire ou. Ou même ou t'es guéri, gloire ou t'es éclaté après un nombre d'années de souffrance. Seigneur, nous levons tout le monde qui a souffert, qui a une maladie quelconque devant ou dans le moment ça. Dans ce sabbat ou là, on va avoir une chance pour être capable de contempler le sabbat ou là, pour être capable de jouer bien fait dans le sabbat ou là, ou t'es passé même dans le moment ça, ou t'es guéri, ou t'es soulagé, ou t'es résolu le problème, ou t'es en décrit. Yo t'étant des voix ou qui t'a parlé à cœur yo dans moment ça, yo va témoigner non, yo va louer non, non déjà dit ou merci d'être content de créer non Seigneur. Bénis chaque famille, ou connaît chaque famille qui souligne là, ou connaît problème yo ça y a traversé, ou connaît comment ça t'a fait plan pour craser foyer ou pour diviser famille yo, afin que lui-même lui capable régner. Passer côté gain division Satan content c'est ça fait plan c'est pour craser foyer yo non lever tout foyer qu'a pluté tout foyer chrétien qui gain problème dans moment ça gain ça qui sur le point de diviser gain ça Satan déjà divisé yo gain qui gain problème Seigneur tendez cri yo ba yo force ou délivrance pour yo. Ba yo Saint-Esprit ou, ba yo sagesse, esprit de discernement, afin que quel que soit problème yo genye, Saint-Esprit ou va entrer dans le cœur yo, yo va chita, et yo va résoudre problème yo, et foyer yo capable de continuer à lutter. Dans le moment ça, béni dirigeant nou yo, ou connaît yo, ba yo force, ba yo courage, béni tous les pasteurs, nous levons tout devant au Seigneur qui a fait au travail pour être capable que le peuple là à la prière. Béni spécialement Pasteur Wilfried avec toute famille. Nous levons tout devant au Seigneur avec yo, ba yo force, ba yo sagesse, esprit de discernement, ba yo puissance Saint-Esprit ou afin que on va continuer travail pour gloire ou et pour gloire ou seul. Non, on va continuer louer. Bénis tous les adventistes dans le monde entier, dans le moment ça, qui a ouvri sabbat. Gagne un pays qui déjà ouvri, gagne un côté soleil après le coucher. Aidez-nous rentrer avec un esprit d'adoration, quand vous faites nos promesses. Si nous faisons bien dans sabbat, si nous pas faisons travail pas nous, nous méditer, faire un jour de repos, un jour de méditation. N'a besoin de bénédiction que réservée dans ces jours-là. Reste avec nous, Seigneur. T'en décris-nous, exaucez-nous. Bannons la victoire, bannons force, bannons courage. Nous va arrêter jusqu'au dernier soupir. Nous va arrêter dans pied ou dans dernier sabbat. Nous gagnons pour nous passer sous terre. Et premier sabbat dans le ciel, nous va passer lié avec vous. C'est espérance nous chaque qui souligne là pour nous passer un sabbat avec vous. Et que ça, Seigneur,
nous va réjouir, que nous va content. Tandis que nous, exaucer nous, bénis nous, fais nous grâce. Nous prions concernant nous, Jésus qui vient, qui demeure, de maintenant au siècle et des siècles. Amen. 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 Bon sabbat, frères et sœurs. Que bon Dieu bénisse nous, que nous passions une très bonne nuit. Et na vous vili non? Renatan, na vous vili non? Vous nous capable dire mon yo bon sabbat. Tout le monde, nous comptons ouais. Frère Joseph, nous comptons ouais, frère Séjour. Frère la fin, nous comptons ouais tout. Bon Dieu bénisse nous. Bon sabbat.